Je m'appelle Badaria Obriga. Je suis venue aujourd'hui au ministère Ototo avec les Beki. Bon, c'est une longue histoire. Quand j'étais petite, j'avais 13 ans. Donc, j'ai été à l'école, je jouais avec les camarades et à la fin, je suis rentrée. Donc, je sentais les douleurs. Les parents m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé à l'école. J'ai dit, je jouais, je suis tombée. Donc, ils ont payé les produits de massage, les produits d'entox. Ils appuyaient avec l'eau chaude sur le pied. Ils massaient avec les... Ça n'allait pas. Le pied s'est tellement enflé qu'eux-mêmes, ils avaient peur. Ils m'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les Chinois, ils ont dit que c'est un morceau de serpent. Le docteur Florent, lui-même, il a touché. Il a dit que lui ne voit rien, qu'il n'y a rien sur le pied. Mais ça me faisait mal. Je ne pouvais pas marcher. Et ça brûlait et ça mange dedans. C'est comme ça qu'on m'a prescrit des béquilles. Et je marchais avec les béquilles. Donc hier, ça n'allait pas du tout. Du tout, ça n'allait pas du tout. Même pour manger, si je mange, je vomis. Ça n'allait pas du tout. C'est comme ça, j'étais dans ma famille maternelle à Tangeta. Ils ont fait appel à ma famille paternelle ici. On les a dit que ça ne marche pas.
ils ont été à Tangeta. Ils sont venus. C'est ma tante qui s'est déplacée. Elle est venue avec les pasteurs. Et ils étaient en train de prier sur moi. Quand ils ont fini de prier sur moi, et ma tante a dit que de dire mon avis, que c'est moi qui sens les douleurs, que qu'est-ce que je veux, que qu'est-ce que je veux qu'ils fassent maintenant. Qu'on a essayé partout, ça n'a pas marché, je veux quoi. Et il a dit, ah, j'ai entendu parler de Otto Otto. Et je suis ces émissions dans Power TV. Je sais que lui seul peut guérir le pied là, à l'heure-ci. Puis il a dit, c'est là-bas, je vais aller. La famille maternelle a refusé parce que ce sont des musulmans. Ils ont refusé que Jésus, afin de Jésus, que les cris ne vont pas guérir le pied. Et il a dit jamais, moi je ne vais pas dormir ici. Je vais chez Otto Otto. Et ils ont dit d'accord. Pour sortir de la maison, ce n'était pas facile. Ça a été difficile. Quand on est revenu, le pasteur a dit, je ne dois pas dormir à la maison. Je dois dormir à l'église. J'ai dormi à l'église. Donc le lendemain, ma tante est venue me prendre et on est venu. On est arrivé ce soir-là à 17h. On n'a même pas mangé et on est venu ici au ministère Otto Otto. Donc quand je suis repartie, je voulais m'asseoir à peine et il a dit qu'il a vu une personne avec des béquilles et j'ai dit oui, il a dit d'avancer. Je me suis rapprochée de lui. Il m'a demandé que qu'est-ce qui ne va pas avec moi, avec mon pied. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit ce que je viens d'expliquer et il a dit d'accord. Il m'a dit de m'asseoir. Je me suis mise assise. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai jeté les béquilles. Avant, je ne croyais pas que Jésus peut guérir. Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu vivant.